Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit projet plutôt sympathique que je vais réaliser avec la CNC. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, la CNC c'est une machine que j'ai fabriquée moi-même et cette vidéo va permettre de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce matos. Donc l'idée, vous l'aurez vu avec la miniature, c'est de créer une petite applique lumineuse pour les fêtes de Noël, voilà, pour décorer un petit peu la maison. Ça fait toujours plaisir. Et pour ça, on va utiliser tout simplement du MDF de 10 mm. Oui, bon, bah, je serai jamais metteur en scène, et puis c'est tout. Alors, du médium de 10 mm, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un matériau qui se prête très bien à ce genre de réalisation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite sur l'ordinateur pour modéliser tout ça. Pour ma part, j'utilise Fusion 360, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça permettra de voir les 2-3 petites choses à connaître pour modéliser. Donc, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Nous voici sur Fusion 360 dans l'onglet conception, donc on va tout de suite créer une nouvelle esquisse et choisir la face sur laquelle on va travailler, donc bien sûr pour ça toujours prendre en compte les axes de la machine. Ensuite on va créer notre rectangle, donc c'est celui-ci qui fera la face avant et la face arrière de l'applique. Donc pour ma part j'ai choisi de le faire de 200 mm par 380 mm. Ceci étant fait, on va pouvoir terminer cette première esquisse pour venir lui ajouter du volume. Donc pour ça on va dans le petit icône de volume et on va sélectionner 10 mm qui est l'épaisseur de mon MDF. Maintenant l'idée, vous l'aurez compris, c'est de créer un texte qui sera traversant pour laisser passer la lumière. Et pour ça, donc, on va créer une nouvelle esquisse sur la surface concernée, donc là sur le dessus de ma plaque de MDF évidemment, et on va venir sélectionner texte. On va maintenant pouvoir sélectionner justement notre zone de texte, ce qui va nous ouvrir de nouvelles options et on va ainsi pouvoir rentrer le texte. Donc pour ma part, ce sera joyeuse fête de fin d'année à vous tous que j'aime et que j'adore. Bon, ça rentrait pas, du coup j'ai mis joyeuse fête et je modifie ensuite la taille de la police pour que celle-ci complète la totalité de ma surface. Ceci étant fait, je vais maintenant tout centrer évidemment et je vais pouvoir aussi choisir une autre police qui sera plus agréable que le classique Arial. Donc là pour moi ce sera Comic 100 MS. Je décide ensuite de mettre tout ça en gras pour ajouter un peu d'épaisseur au texte et vous pouvez aussi le mettre en italique, mais pour ma part je n'ai pas jugé nécessaire de le faire, mais en tout cas c'est possible. Voilà, on a terminé avec cette esquisse, on va pouvoir aussi y ajouter du volume. Pour ça on retourne encore une fois sur l'icône pour le volume. Alors je disais ajouter du volume, étant donné qu'on est sur une CNC on ne pourra pas, bien sûr il s'agit d'enlever évidemment du volume. Voilà, donc là on est en transparence, c'est impeccable. Je vais donc pouvoir positionner ma pièce pour avoir vraiment accès à toutes les lettres et sélectionner les arêtes nécessaires à la découpe. Pour ça nous allons passer de la phase de conception à la phase de fabrication, donc on va dans l'onglet conception et on choisit fabriquer. Alors moi c'est le logiciel en français, ce sera peut-être pas tout à fait pareil pour vous, mais l'emplacement est le même. Et de là je vais commencer par créer une nouvelle configuration pour venir sélectionner mon point X, Y, Z, donc mon point 0 qui va être en bas à gauche sur ma pièce à découper. Donc on prend bien le point supérieur, on prend pas le point inférieur, sinon ça va pas marcher. Je vais maintenant supprimer les options de décalage. Pour ma part, je n'en ai pas besoin, donc je mets tout à 0 et je peux valider. Dans les options d'usinage, je vais maintenant sélectionner poche 2D. Alors là, il s'agit bien d'une poche et non d'une gravure. Donc voilà, il faut bien mettre poche 2D et je vais sélectionner toutes mes lettres. Alors là, il est très important de sélectionner les contours extérieurs de chaque lettre, mais il est aussi important de sélectionner les contours intérieurs. Alors j'insiste là-dessus tout simplement parce que vous allez le voir, le E accent circonflexe, j'ai oublié de sélectionner l'intérieur, ce qui va me créer un défaut. Et dernière petite chose, assurez-vous bien de sélectionner la partie basse de vos lettres et non la partie haute, c'est très important. Toutes les lettres étant sélectionnées, on va maintenant s'occuper de choisir notre outil. Donc pour ma part, j'ai choisi d'utiliser une fraise droite de 6 mm. Donc c'est une fraise hélicoïdale et on peut s'apercevoir qu'elle apparaît en schéma juste ici. Donc voilà, c'est la bonne fraise. Je la sélectionne. Ensuite, vous pouvez voir qu'on a différents onglets. Donc pour notre part, les plus importants, ça va être le premier, le quatrième et le cinquième. Donc celui-ci, on va tout de suite décocher la surépaisseur. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être sur notre tracé. Et on va aussi sélectionner profondeur multiple, histoire de faire plusieurs passes de 1 mm. Voilà, ceci étant fait, on peut terminer par désélectionner les entrées
et les sorties. Donc ça, c'est pour décaler la fraise à l'entrée et la sortie. Et nous, on veut surtout pas ça, ce qui risquerait de faire des traces sur la surface. Et pour terminer, on va pouvoir créer une simulation du chemin de la fraise pour voir si tout se passe bien. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que je vais avoir un petit message d'erreur qui est dû justement à la non-sélection de l'intérieur du E accent circonflexe. À cet instant, je n'ai pas jugé bon d'aller plus loin avec ce problème. J'ai voulu faire un essai comme ça, donc on passe tout de suite au contour de la pièce. Bien sûr, hein, il va falloir découper le contour. Donc là, la démarche reste sensiblement la même, sauf que vous l'avez vu, dans les options d'usinage, on a sélectionné contour à la place de poche 2D. Ici aussi, bien sûr, il faudra s'assurer de bien sélectionner la partie inférieure de la pièce à usiner. Sinon, pour le reste, c'est similaire à tout à l'heure. On va décocher la surépaisseur, cocher les passes multiples pour faire plusieurs passes de 1 mm. On s'assure aussi de bien décocher les options d'entrée et de sortie. Et on peut ensuite passer à la simulation pour finir avec l'exportation sur carte du projet. Pour ça, on va simplement cliquer droit sur notre configuration pour ensuite sélectionner post-traité. Ici, on va pouvoir choisir notre titre. On va aussi s'assurer d'avoir sélectionné le bon système d'exploitation, si je puis dire. Donc moi, je fonctionne en GRBL32 sur ma CNC. Et après s'être assuré que tout est OK, on peut venir enregistrer notre fichier sur notre carte mémoire. Alors, une fois votre fichier enregistré, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Il s'agit simplement des lignes de commande si vous voulez procéder à des vérifications. Donc moi, je suis pas assez calé, donc je me contente simplement de la fermer. Et c'est assez rare pour être souligné. Bon, comme je vous le disais, j'ai eu un petit avertissement au moment de la modélisation. J'ai sauté pas en tenir compte puisque je voyais vraiment pas d'où ça pouvait venir. Donc on va lancer ça comme ça et on va voir ce que ça donne. S'il y a un souci, on recommencera tout depuis le début. Mais normalement, je vois pas ce qui pourrait ne pas marcher, donc on fait ça tout de suite. Ça y est, les trois pièces sont usinées. Alors la première, je suis parti sur une base rectangulaire. Au final, sur les deux autres, j'ai créé un petit congé, un petit arrondi, mais pas les congés de Noël. Donc voilà, c'est histoire d'avoir des formes un peu plus douces. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est le fond de la boîte. Ici, on aura la partie intermédiaire qui va venir recevoir le ruban LED. Et ensuite, par-dessus, on viendra fermer avec la façade. Donc bien sûr, derrière, il y aura un plexi ou une feuille, enfin quelque chose pour filtrer un peu la lumière. Tout l'intérieur, je vais le peindre en blanc pour que ça diffuse correctement les lumières des LED. Et ensuite, je pense que je vais quand même usiner une seconde partie comme celle-ci, histoire de venir rajouter un peu de relief sur la face avant, un peu comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc je pense que je vais faire l'intérieur en rouge, ce contour en blanc et toute la base, en fait, on va tout faire en blanc, sauf cette façade. Donc, on va s'occuper de ça tout de suite. Là, je vais mettre à découper le morceau de plexiglas qui va venir donc par l'arrière sur cette partie-là. Ensuite, on passera à la peinture pour finir avec l'assemblage. On va enfin pouvoir voir ce que ça donne. Donc, on fait ça. Il y a encore un peu du boulot, mais on continue. On lâche rien. C'est parti. Ah oui.
Bon les amis, ce petit projet touche à sa fin, donc avant de vous montrer le résultat final, je voudrais simplement vous remercier de m'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez au petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Et pour le reste, si vous avez des idées de création à me proposer pour une future réalisation à la CNC, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça peut être intéressant d'avoir un peu vos idées. Et allez savoir, j'en choisirai peut-être un pour le faire prochainement en vidéo. Sinon, la semaine prochaine, on se retrouve pour une toute autre vidéo, hein. On va arrêter un peu la CNC pour l'instant. On m'a fait don d'un meuble il y a quelques temps, il faut que je le transforme pour en faire un meuble de salle de bain, donc voilà, ça fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Du coup, bonne semaine à tous. Je vous laisse sur ces quelques images et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao !